Midi est avec vous. Bonjour. Et il vous salue. Ainsi que vous êtes de plus en plus nombreux à le vivre et à le constater. Il se passe quelque chose. Ce que vous vivez, ou que vous allez vivre, est très exactement le résultat de tout ce que j'ai pu énoncer lors de mon incarnation et lors de ma présence plus récente parmi vous. Le jeu de la conscience au sein même de ce monde vous a permis dorénavant de vivre avec de plus en plus d'évidence la réalité et la vérité ultime au travers de ce corps. Ce que vous vivez et que vous vivrez n'est rien d'autre que l'aboutissement de la quête de la conscience, vous faisant vivre et retrouver ce qui n'a jamais bougé, qui a toujours été là. Et ce, je dirais, malgré la présence de l'illusion et malgré la présence de ce corps. Et je dirais même plus, car c'est au travers de ce corps que se conscientise l'ensemble de ce qu'est la conscience et vous permet de découvrir, ou plutôt de redécouvrir, ce qui a toujours été, qui est et qui sera, au-delà de la personne, et bien plus, au-delà de tout monde, au-delà de toute forme, au-delà de toute projection. C'est dans ce silence du mental, dans cet accueil, que se vit l'évidence avec de plus en plus d'aisance. Et pour tous ceux qui ne le vivent pas encore, c'est le jeu même de vos résistances, de vos habitudes, qui va permettre l'installation de ce qui a toujours été là. Les voiles de l'illusion, personnelle comme collectif, se trouvent amoindris chaque jour de plus en plus, vous donnant à vivre l'évidence de la joie, l'évidence de la paix, l'évidence de l'amour, qui vient transcender toute projection et toute expérience de la conscience elle-même. Autrement dit, vous retrouvez, soit de façon brutale, soit à travers ce que vous ne vivez pas pour l'instant, la réalité de la source de la conscience, que j'ai nommée à de nombreuses reprises, l'absolu, le parabrahman ou l'ultime. Aujourd'hui, vous n'avez plus à vous embarrasser de quelque concept que ce soit, de quelque croyance que ce soit. L'intelligence de la lumière vous place spontanément, dès que vous ne résistez plus, consciemment ou inconsciemment, dans la vérité de la lumière, non plus projetée, mais que vous êtes. Et rappelez-vous que dorénavant, moins vous en faites, moins vous cherchez, et plus la lumière vous trouve. Ainsi que je l'avais dit, il n'y a pas pire escroquerie que la spiritualité, car elle fait écran au travers, même au-delà des croyances, par l'énergie et par les concepts, même archétypaux, à la vérité. Ainsi donc, ce n'est qu'en restant tranquille, dans le silence intérieur, que se joue cet ultime dévoilement. Et vous ne pouvez être abusé ou trompé
par quelque élément ou quelque personne que ce soit. Ceux qui avaient été nommés le face-à-face est très exactement ce que vous vivez. Mais n'oubliez pas que dans le face-à-face, il y a vous en tant qu'éphémère, vous en éternité, jusqu'au moment où vous réalisez qu'il n'y a ni éphémère, ni éternité, et qu'il y a juste le silence antérieur à toute manifestation de la conscience. La vraie joie, celle qui ne dépend de personne, ni d'une circonstance, ni d'une acquisition, ni d'une résolution, est à même de vous faire vivre cet état que je qualifierais d'ineffable et de permanent, malgré la présence de la personne et encore de certains rouages de ce monde. Rappelez-vous que même si cela a disparu en apparence, une fois que vous l'avez vécu, ne serait-ce qu'un milliardième de seconde, vous ne pouvez échouer. Mais vous êtes l'intelligence de la lumière. Vous n'êtes aucune histoire. Quelles que soient les histoires que vous avez vécues, quel que soit ce que vous vivez, c'est au travers de tout cela que se révèle l'ultime vérité qui en fait est l'unique vérité. Il n'est plus question aujourd'hui de pratiquer la réfutation ni même de vous appuyer sur quelque archétype que ce soit, fût-il le plus prestigieux. Car rappelez-vous, tous ces archétypes, tous ces grands êtres qui ont foulé de leurs pas, de leur présence, le sol de cette illusion, sont bien évidemment en vous. Et aujourd'hui, cela se situe au-delà de toute identification, de tout référentiel et de toute expérience. La joie nue n'appartient ni à la personne, ni à votre corps d'éternité, mais à ce que vous êtes en vérité au-delà de tout corps comme de toute dimension. L'évidence de la joie, dès que vous la recouvrez, vous place d'emblée dans cette vérité et surtout dans l'installation de ce vécu, quel que soit l'état de votre corps, quel que soit l'état de votre vie éphémère, et je dirais même plus, quels que soient les événements qui apparaissent sur l'écran de ce monde. Cela vous avait été largement expliqué. Aujourd'hui, que vous le réalisiez ou pas, vous êtes tous en chemin, si je peux dire, mais ce chemin n'est pas une distance, c'est justement l'abolition de toute distance qui vous fait découvrir que vous êtes la voie, la vérité et la vie au-delà de toute fonction, de tout rôle, de toute projection et surtout de toute histoire ou habitude. La spontanéité, l'innocence de l'enfance ne peut se trouver que dès l'instant où vous lâchez tout ce qu'il vous semble être résistant. Et ce qui est résistant, je peux dire que c'est aujourd'hui ce qui vient troubler votre paix. Vous n'avez même pas besoin de savoir d'où ça vient, mais simplement de l'accepter et de le traverser sans aucun effort. Dès l'instant où il vous semble devoir faire un effort, c'est que vous n'y êtes pas. Et d'ailleurs, le meilleur témoin n'est uniquement que la manifestation de cette joie, quel que soit son aspect, qui ne peut que vous replacer aussi bien dans la jouissance intérieure que dans l'exubérance extérieure, dans la réalité non pas de l'être, mais du non-être, qui bien sûr n'est pas le néant, mais qui est ce que nous sommes. Il n'y a qu'une conscience, il n'y a qu'un esprit, et en définitive, toutes les dimensions se résolvent en chaque corps présent à la surface de cette terre. Quel que soit votre positionnement actuel, quels que soient vos doutes, quelles que soient vos interrogations, la vérité ne peut qu'éclater.
Il ne tient qu'à vous, dans ce face-à-face, de constater qu'il n'y a personne, ni même le corps physique, ni même le corps d'éternité. Vous êtes la lumière. En étant la lumière et l'amour, vous reconnaissez instantanément ce que vous êtes, antérieur à tout monde, antérieur à tout sentiment, à toute forme, comme à toute expérience, quelle que soit votre origine stellaire, quelles que soient les expériences passées, celle-ci laisse la place à cette joie totalement dépourvue d'attributs, quelle qu'en soit la forme manifestée au travers de ce corps ou au travers de votre vie. Rappelez-vous qu'il n'y a jamais d'effort à faire. Tout vous est donné en abondance parce que vous nommez les particules adamantines par l'intelligence de la lumière et par bien sûr l'établissement de cette vérité. Et vous ne pouvez que vous reconnaître. Et en vous reconnaissant, toute connaissance est vaine. Parce que l'intelligence de la lumière n'a pas besoin de connaissances extérieures, ni des mondes, ni des dimensions, ni de quoi que ce soit. Soyez, comme cela avait été énoncé depuis de nombreuses années, dans la simplicité, dans l'humilité, dans l'enfance, ne revendiquez aucun rôle, aucune fonction, afin de vivre la spontanéité de la lumière autant que faire se peut. Continuez à vivre votre vie, quoi qu'elle vous donne à vivre, que cela soit dans le bonheur ou le malheur, dans la résistance ou la souffrance, parce que la plus belle des solutions est celle de vous reconnaître et non pas de résoudre quoi que ce soit. Dès que vous vous êtes reconnu, alors la majesté de l'amour et de la lumière vous montre et vous démontre la réalité de ce que vous êtes au-delà de tout être. Le principe de vécu et non pas de savoir que vous êtes réellement chaque autre et que l'ensemble des mondes, que l'ensemble des personnes de cette terre ou de l'histoire de cette terre sans aucune exception est irrémédiablement présente en vous. Il ne sert à rien d'ergoter, de tergiverser, d'expliquer ou de comprendre. Cela a été nommé en d'autres lieux les quatre piliers du cœur. Si vous vous placez au cœur du cœur, vous n'avez pas besoin de le sentir, mais de le décider, même au sein de la personne, sans rien projeter, sans rien attendre, et d'accueillir. Et la meilleure façon d'accueillir se trouve dans les travaux pratiques et non pas dans les concepts. Réalisez que même le pire des ennemis détestables est en vous. Cela met fin de manière inexorable et inéluctable à toute velléité d'action et réaction au sein de ce monde. Dès que vous avez conscientisé, même lors d'un instant, que vous étiez cette joie, ne vous occupez plus de rien. Vivez votre vie, occupez-vous de ce que la société, les relations, les thérapies vous demandent, mais n'y mêlez pas la spiritualité, ni aucune histoire, ni aucun scénario, ni aucune explication. Ça veut dire que plus vous êtes spontané, plus vous êtes dans l'accueil, moins le mental peut intervenir, moins les habitudes peuvent se manifester, et cela met fin de manière totale à toutes les croyances, mais aussi à toutes les béquilles. Et les béquilles, vous le savez, ont été nombreuses. Même moi, pour vous, je suis une béquille, parce que je ne suis rien d'autre que chacun de vous en totalité. Et dès que vous avez vécu cette crucifixion réelle de la personne, l'amour qui a toujours été là, qui n'a jamais bougé,
et qui transcende tous les mondes et toutes les histoires ainsi que tous les personnages, ne peut que se révéler à vous. Mais surtout, ne faites pas de ce que vous vivez dans cette joie des histoires, des scénarios ou des projections dans quoi que ce soit. Il n'y a pas de plus grande satisfaction, il n'y a pas de plus grande joie que cela. Ce discours-là, je ne pouvais pas vous le tenir, voilà encore un an, mais aujourd'hui, c'est l'évidence même. Alors, vous n'avez pas à vous préoccuper par rapport à ce que vous êtes, de quelque questionnement que ce soit. Bien évidemment, il vous faut vivre votre vie, mais n'y mêlez aucun élément lié à votre éternité, car vous êtes l'éternité. Et c'est le fait d'être au-delà même de cette éternité qui éclaire tout ce qui est à éclairer en vous, comme dans n'importe quelle circonstance de ce monde, d'une relation ou de quelque histoire que ce soit. Si vous acceptez cela et vous le mettez sincèrement en pratique, la joie se révélera immédiatement. Quel que soit votre état antérieur, que vous ayez vos chakras ouverts ou fermés, ne change rien à l'affaire. Que vous ayez votre corps d'éternité et tous ses circuits actifs, ne change non plus rien à cette affaire. Seule l'évidence de la joie vous met en joie. Et si vous ne la vivez pas encore, il ne sert à rien de culpabiliser ou de mettre une distance, et je le répète, quel que soit l'état actuel de votre corps, de votre conscience et de vos expériences passées. Car ce qui est là n'est pas une expérience, mais est, je le répète, cette ultime vérité. Dans la joie, tout est simple. Quoi qu'il se déroule sur l'écran de l'éphémère, dans la joie, tout se résout, indépendamment de toute volonté, de tout désir de compréhension. Donc il ne faut plus vous raconter des histoires, il ne faut plus vous projeter dans quelque élément que ce soit, car il suffit d'ouvrir vos journaux ou vos écrans pour constater la dissolution de ce qui n'est pas vrai. Et il s'agit de la même chose en vous. Il ne s'agit pas, comme disait le commandeur, de mettre l'amour devant, mais de réaliser que vous n'êtes qu'amour et au-delà de toute forme et au-delà de toute conscience. Car dès qu'il y a amour et conscience, il y a création, manifestation et expression. Le serment et la promesse qui s'est révélé à vous depuis le mois de mai-juin de cette année vous permet cela en toute liberté. Vous n'avez pas à envisager autre chose concernant le questionnement intérieur sur qui vous êtes, car vous ne serez jamais quelque histoire que ce soit, parce que vous avez déjà été toutes les histoires, tous les scénarios, tous les mondes. Ce qu'il y a à retrouver est l'ultime vérité, là où il n'y a que la joie, là où il n'y a personne, ni monde, ni dimension, ni quoi que ce soit. Et cela, bien sûr, a été appelé l'inconnu, qui aujourd'hui devient de plus en plus connu et surtout vérifiable. C'est pour cela que tout ce que vous pouvez projeter, que ce soit par rapport à une date, par rapport à n'importe quoi, ne peut être que fallacieux et ne peut que vous emmener et vous éloigner de ce que vous êtes. Ce que vous êtes est antérieur à tout être. La joie est là. Vous étiez l'amour avant même que la conscience apparaisse, avant la première forme. Aujourd'hui, vous devez tuer tous les dieux. Vous devez tuer toutes les histoires, non pas par une volonté, mais par l'acceptation pure et simple. Vous n'avez rien d'autre à faire.
Dès que vous croyez devoir faire quelque chose, vous mettez déjà une distance entre ce que vous êtes au-delà de tout être et ce que vous vivez. Cela a été nommé l'instant présent, le cœur du cœur, la demeure de paix suprême, vous l'appelez comme vous voulez, mais cela ne change rien. Tous les voiles ont été dissous. Il n'y a que la sphère des croyances et des habitudes ou les adhésions à quelque histoire que ce soit qui vous empêche d'être cette joie permanente et spontanée qui ne dépend, je vous le rappelle, d'aucune histoire, d'aucune date et d'aucun événement. L'événement a déjà eu lieu. C'est l'avènement de la lumière, l'avènement de l'amour, quoi que vous donne à voir votre souffrance, quoi que vous donne à voir ce monde. C'est ainsi que la libération est réelle, même au travers de la personne. Le seul marqueur, comme l'a dit mon acolyte, en est cette joie qui ne peut être référencée à aucun support, à aucune circonstance, à aucune condition et surtout en aucune projection. L'archange Anaël avait nommé ça « Ik et Nunc ». Vous êtes aussi bien Anaël que le Christ, qu'un archonte, que l'enfant qui meurt de faim, que le tortionnaire qui abuse d'un enfant. Ce ne sont que des parts de chacun. Vous n'avez pas à les accepter ni à les rejeter, vous avez simplement à les voir, à les accueillir, non pas pour en souffrir, mais justement pour les laisser vous traverser et être éclairés depuis le silence et le cœur du cœur. Et c'est cela qui met fin à l'illusion, c'est cela qui met fin à la souffrance, et c'est cela qui met fin à la maladie. Vous n'êtes pas une personne, vous n'êtes plus enfermé en quoi que ce soit, si ce n'est par vos propres croyances ou par vos propres projections. Dès que vous mettez une distance, un délai, un temps ou un espace entre vous et la vérité, vous faisant adhérer à l'idée qu'il y a quelque chose à acquérir ou à dépasser, vous n'êtes plus dans la joie. Et ça, vous allez le constater dans tous les événements situés au sein de l'éphémère. Tout est prétexte, tout est occasion pour vous permettre de vivre cette liberté. La liberté dont je parle n'est plus une liberté d'aller voir ou d'aller explorer certains mondes, mais d'incarner, si je peux dire, à travers l'illusion, la totalité de la vérité. Et ceci ne peut être en aucun cas cherché ni recherché. Vous ne pouvez que vous reconnaître et accepter de vous reconnaître. Tout le reste est vain. Quels que soient les événements qui vous ont été annoncés depuis de très nombreuses années, l'événement qui se produit depuis le mois de mai est bien plus important que tous les événements au sein de l'éphémère. Car vous avez réalisé l'événement. Et celui qui vit la joie, sans objet, sans sujet et sans monde, n'a pas besoin de projeter, d'imaginer ou de régler quoi que ce soit. C'est la lumière qui s'en charge, non pas comme une lumière qui viendrait de l'extérieur, mais réellement et concrètement, ce que vous êtes au-delà de toute forme, c'est-à-dire antérieur à la lumière. Ce que vous pourriez appeler au sein de l'ego le néant, n'est que la joie éternelle. Vous êtes dans l'envers du décor, mais vous êtes aussi au-delà du décor, de tout décor, même au-delà de ce monde. Comme l'a dit mon acolyte, le seul marqueur de la vérité est la joie. Mais cette joie qui ne dépend de rien. Il a été évoqué durant de nombreux mois la conscience nue et l'amour nu. Mais vous êtes antérieur à tout cela.
puisque vous êtes à l'origine même de la première conscience, et il n'y en a qu'une, quelles que soient les apparences, quels que soient les mondes. Une autre chose que j'aimerais évoquer avec vous, et sur laquelle vous pourrez me questionner, c'est celle qui correspond aux dimensions, à l'être T. Bien sûr, vous avez pour beaucoup conscientisé, laissé émerger, travaillé sur la lumière, afin de réaliser à la fois l'ancrage de la lumière et d'être des semeurs de lumière ou des semences d'étoiles. À un certain seuil qui a été en quelque sorte franchi par quelques frères et sœurs présents à la surface de la Terre, a permis de libérer totalement cette compréhension et ce vécu, qui n'est pas une compréhension mentale, ni liée à quelque histoire que ce soit, ni à quelque déroulement temporel ou spatial, et qui justement transcende tous les temps, tous les espaces, toutes les formes et toutes les dimensions. Et celui qui vit cela ne pourra plus jamais retourner dans des projections illusoires. Car qui voudrait explorer quelque monde ou quelque dimension que ce soit, quand il a trouvé l'origine de ce qu'il est antérieur à toute conscience? C'est pour ça qu'il ne faut pas vous poser de questions, même si l'acolyte en a parlé, même si Abba en a parlé, sur la décréation de quoi que ce soit, puisque ça n'a jamais existé. Et que vous constaterez de façon inexorable, lors de l'événement collectif, non pas celui que vous vivez depuis mai qui est le plus important, mais lorsqu'il y aura, même pour ceux qui le refusent, l'apparition d'un signe que personne ne pourra nier. Vous avez juste à vous tenir tranquille, à faire ce que la vie vous demande de faire, et laisser la conscience, même si vous ne la connaissez pas encore, cette conscience de l'origine de la lumière, de l'origine de l'amour, se manifester en vous. Seul celui qui ne le vit pas peut se poser la question d'une recréation ou d'une décréation qui sont illusoires, puisque vous êtes antérieur à toute création. Et cela a été vu par nombre d'entre vous, durant cette période écoulée, depuis 4 mois. Et dès que vous vivez cela, vous ne pouvez plus être dupe, ni d'un archange, ni de Marie, ni du Christ, ni de Krishna, ni de n'importe quel dieu. Parce que vous êtes tout cela. Vous êtes aussi l'horrible assassin. Vous êtes aussi celui qui a tué ses enfants. Vous êtes celui qui a aimé par-dessus tout. Mais vous n'avez pas besoin de parcourir tout cela, ni de projeter quoi que ce soit dans quelque dimension que cela soit, dès l'instant où la joie est là. Interrogez et questionnez autour de vous sur les innombrables frères et sœurs qui vivent cette joie nue. Ils n'ont pas besoin de scénario, ils n'ont pas besoin d'images, ils n'ont pas besoin de projections, parce que la joie comble tout. C'est le marqueur ici, à travers ce corps et cette conscience éphémère, de la réalité de l'amour inconditionné, sans objet, sans forme et sans conscience. L'amour est antérieur à la conscience, c'est le support de manifestation de la vie. Mais quand vous avez trouvé la vie, vous n'avez pas besoin d'exprimer ou d'expérimenter quelque forme que ce soit. C'est là où tout se résout, c'est là où tout est spontané, c'est là où tout est évident, c'est là où tout est dense, tout est évidence, tout est silence. Vous n'avez plus besoin de la conscience. Gardez votre conscience pour ce corps, pour améliorer son fonctionnement, mais n'y mêlez pas des notions spirituelles. J'ai eu à de nombreuses occasions
quand j'étais incarné et maintenant, depuis de nombreuses années, d'affirmer que la spiritualité était la plus vaste escroquerie qui existe. Seul trouver la source de qui vous êtes, antérieure à la forme, où qu'elle soit, vous fait vivre cette certitude. Et donc, tous ceux qui s'interrogent sur la notion de décréation, recréation et autres, ne vivent pas la joie. Parce que vous ne pouvez pas être en joie et laisser courir le mental accolé à la spiritualité. Ce n'est pas possible. En ayant trouvé qui vous êtes, au-delà de tout être, vous ne pouvez plus vous bercer d'illusions, de projections ou de considérations quelconques. Vous êtes dans l'évidence, dans la facilité, quelles que soient les circonstances. C'est la seule vraie et unique joie. Tout le reste ne sont que des palliatifs. Tout le reste ne sont que des amours conditionnés. Vous n'êtes assujetti à aucun monde, à aucune origine, à aucune lignée, à aucune énergie, à aucune vibration, à aucun état de la conscience, car vous êtes tout cela à la fois et bien plus. Si vous acceptez cela, vous le mettrez en pratique tout de suite. Je ne vous demande pas ni de me croire, ni de discuter là-dessus. C'est un fait accompli qui n'attend que vous. Et c'est tout. Bien sûr, il vous a été donné, dans cette période, pour beaucoup d'entre vous, de vérifier un certain nombre d'éléments au sein de l'agencement subtil et invisible de l'enfermement. Mais si vous êtes réellement en joie, dans cette joie nue, vous ne pouvez pas vous mentir, vous ne pouvez pas vous raconter des histoires. Vous demeurez dans l'humilité, dans la simplicité, parce que vous avez vécu que vous n'êtes rien ici, et que dès que vous n'êtes rien ici, vous êtes tout partout. Que voulez-vous de plus? Il n'est plus question dorénavant de vous alimenter en histoire et en scénario, puisque la résurrection a commencé déjà depuis de nombreux mois, le 14 décembre, et que l'anomalie primaire qui vous voilait a été ôté de manière collective depuis le mois de mai. Encore une fois, si vous ne vivez rien jusqu'à présent, soyez heureux, parce que justement vous n'êtes pas encombré ni par les énergies, ni par les vibrations, ni par le karma, ni par quoi que ce soit. Et à ce moment-là, vous réalisez concrètement et effectivement que votre royaume n'est pas de ce monde comme de n'importe quel autre monde. Vous êtes antérieur à tout monde. Et cela est évidence, sans se poser de questions, dès que le serment et la promesse est actualisé. Et il n'y a un seul marqueur, c'est la joie. Vous ne pouvez pas tricher avec la joie. Vous pouvez tricher avec l'amour, vous pouvez tricher avec la lumière, parce qu'il est facile d'écrire ou d'expérimenter, mais vous ne pourrez jamais tricher avec cette joie-là. Vous y êtes ou pas? Et si vous n'y êtes pas, vous souffrez. Et c'est cette souffrance, de quelque nature qui ce soit, qui vous replace d'elle-même dans ce qui n'est pas une expérience ou un état, mais que j'ai nommé cette vérité ultime qui n'a jamais bougé. Vous êtes la vie, mais vous êtes antérieur à la première vie. Comme l'a dit Abba, vous êtes tous Abba. Il n'y a qu'une conscience, il n'y a qu'un esprit, il n'y a aucun monde. Et si vous êtes dans le mental ou dans la personne, vous l'avez constaté, vous allez vous poser la question de la réalité ou de la vérité de la décréation. Seul celui qui est inscrit dans la conscience peut réagir comme cela. Mais celui qui a vu ce qu'il y avait derrière ou antérieurement à la conscience ne peut plus être leurré
par quelque Dieu, quelque histoire ou quelque dimension que ce soit. Tout ce que vous avez bâti, les uns et les autres, par différentes voies, dans votre recherche, dans vos événements, dans vos expériences, ne peut plus tenir devant la vérité. Et la vérité n'est que joie. Si aujourd'hui, quelles que soient vos expériences, quelles que soient vos visions, quel que soit votre savoir, vous n'êtes pas dans la joie, c'est que vous n'avez pas découvert l'ignorance. Car la seule connaissance est ignorance, celle de l'enfant, qui est spontanée, qui est totalement insérée dans l'instant. Simplement, cet instant ne dépend pas d'un âge, nommé enfance, ni d'aucune circonstance. Accepter cela, non pas en tant que croyance, cela ne servirait à rien. La joie ne sera pas là. Mais vivez-le. Et vous le constaterez par vous-même. Car nul ne peut vous en convaincre. Aucun maître, aucun gourou, aucun dieu, aucun sauveur. Seule votre vie, ici, à travers ce sac de viande, comme je l'ai appelé, ou ce temple, vous montre la vérité, mais ne soyez arrêtés par rien. Que cela soit dans les événements de ce monde, dans les événements de votre corps, dans les événements de votre vie, soyez disponibles dans cet accueil inconditionnel de tout ce que vous ne comprenez pas et ne vivez pas. Parce que cela est dorénavant facile. Parce que cela est dorénavant accessible à tous, sans aucune exception. Et si cela n'est pas encore le cas pour vous, vous allez constater très vite, si ce n'est déjà fait, que de plus en plus de frères et de sœurs autour de vous vivent cet état que vous pourrez qualifier de grâce. Acceptez de n'être rien ici, de ne rien revendiquer, si ce n'est bien sûr dans votre vie affective, sociétale, humaine, vous place d'emblée dans la joie. Ce n'est pas un effort, c'est justement l'inverse. Non pas seulement un lâcher prise, non pas seulement un relâchement, mais un accueil inconditionnel. Surtout aujourd'hui, n'envisagez rien, ne recherchez rien, si ce n'est ce qui est nécessaire à votre vie. Mais ne mêlez pas l'escroquerie spirituelle à cela. Vous êtes pure conscience, car vous êtes antérieur à la conscience elle-même. Dit autrement, quand j'étais incarné, je disais, la seule différence entre vous et moi, c'est que moi je sais que je suis Dieu et pas vous. Alors bien sûr, le mot Dieu, en Occident, vous savez, n'a pas vraiment la même connotation aujourd'hui. Simplement envisagez que vous êtes la source de tout ce qui est manifesté, ici comme partout. Découvrez la vérité, laissez-la se révéler, et tout le reste vous apparaîtra de lui-même et ne présentera plus aucun intérêt pour vous. S'il y a un intérêt pour une date, pour Marie, pour Dieu, pour n'importe quel Dieu, pour n'importe quel maître, vous ne pouvez pas être libre. C'est impossible, surtout aujourd'hui. C'est pour ça que la meilleure posture fait partie de la préparation que nombre d'entre vous avez vécue concernant les quatre piliers du cœur, la notion d'évidence, et le vécu de la inconscience malgré la présence de ce corps. Et au contraire, grâce à ce corps, puisque la lumière vous tapisse entièrement, elle a recouvert ce monde, quelles que soient les apparences. Je vous rappelle que la lumière met fin à l'illusion. Elle éclaire, elle n'agit pas. Et c'est sa révélation qui est agissante. Ce n'est pas l'action de la lumière, c'est, je dirais, l'évidence de la lumière. Et ce n'est pas une action, ce n'est pas un combat.
contre personne, ni contre vous-même, ni contre ce monde. C'est la réalité de la joie de cet ineffable qui vous fait reconnecter quelque part à ce que vous êtes en vérité. Et cela n'a pas besoin de scénario, vous n'avez besoin d'aucun maître, vous n'avez besoin d'aucun Dieu, quel qu'il soit, puisque vous êtes tout cela. Et au-delà de tout ce que vous êtes, il y a la source de tous les mondes, que vous êtes aussi. Plus que jamais, en ces temps que vous vivez, souvent le commandeur vous avait dit la peur ou l'amour. Moi je dis aujourd'hui, et déjà depuis de nombreux mois, c'est l'amour ou pas. Et l'amour peut être travesti par des tas de colorations, mais pas la joie. La joie ne peut jamais vous tromper. Et d'ailleurs, vous voyez très bien, pour ceux qui l'ont vécu par instant, par moment, ou même de façon quasi permanente, vous voyez très bien le jeu entre la personne et la joie. S'il y a quelqu'un, il n'y a pas de joie. S'il n'y a personne, il n'y a que la joie que vous êtes. Et votre vie en est transformée. Votre corps se transforme. Vous rajeunissez. L'éclat de vos yeux n'est plus le même. Profitez d'avoir encore un sac de viande pour éprouver cela. Parce que cela est résolutoire, réellement et concrètement. Pas par l'énergie, pas par la vibration, pas par la compréhension de quoi que ce soit, mais par l'évidence, par cette joie nue, et rien d'autre. Et vous constaterez, si ce n'est déjà fait, que plus vous laissez cette joie émerger, plus elle remplit tout et elle efface tout. Mais si vous avez la volonté de revenir dans l'histoire, dans l'action, que ce soit dans ce monde par rapport à la spiritualité ou sur d'autres plans, même les plus élevés, vous faites fausse route. Et la joie vous quitte. Et vous le verrez parce que le mental revient sur le devant de la scène. Et à ce moment-là, vous n'êtes plus en joie. Vous êtes dans le questionnement, vous êtes dans la souffrance, et je ne parle pas ici de l'énergie ou de la vibration, ni d'état de conscience. Je parle de qui vous êtes antérieurement à toute conscience. C'est là où se tient la joie, nulle part ailleurs. Sans ça, c'est une joie conditionnée par un événement, par une personne, par une relation. Et je vous dis, vous n'avez pas besoin aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, de pratiquer quoi que ce soit pour vivre la joie, ce qui ne vous empêche pas de pratiquer tout ce que vous voulez après pour vous sentir encore mieux, plus disponible, plus à l'aise dans ce corps, dans cette tête que vous n'êtes pas, afin d'être en harmonie complète et totale depuis le rien jusqu'au tout. Et vivant le tout et le rien, vous vivez à la fois l'amour et la sagesse, dont la traduction est la joie sans objet et sans sujet, qui n'a besoin de rien d'autre. Sinon, si vous pensez avoir besoin de quelque chose, d'une histoire, d'un scénario, vous serez en colère et vous serez déçu, et il ne peut pas en être autrement. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande de le vérifier. Passez une journée de votre vie sans questionnement de quoi que ce soit, uniquement en accueillant par transparence tout ce qui peut se produire dans ce corps, dans vos relations, dans la sphère familiale, professionnelle, affective, essayez de ne pas réagir, essayez de ne pas contredire, essayez d'accueillir tout. Et vous verrez qu'il n'y a aucune difficulté. Et d'ailleurs, l'absorption des essences que nombre d'entre vous avaient testées de par le monde vous a permis de découvrir cette vérité, cette joie. Et vous savez très bien, pour ceux qui le vivent, et il y en a ici comme partout, que quand vous vivez cela, vous n'avez pas besoin d'histoire, vous n'avez pas besoin ni du Christ, ni de Marie, ni de Krishna, ni de qui que ce soit. Ce qui ne vous empêche pas d'aller au cinéma,
qui ne vous empêche pas de manger, qui ne vous empêche pas d'être sur ce monde, mais pas de ce monde. Mais tant que vous croyez à un monde à venir, vous n'êtes pas libre. La liberté est seulement dans l'instant présent, pas dans la connaissance, pas dans l'expérience. C'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, et vous êtes innombrables, que ce soit l'onde de vie, que ce soit l'ouverture des chakras, que ce soit la totalité de la conceptualisation et du vécu de votre corps d'éternité, ne vous est aujourd'hui d'aucune utilité. Le silence est bien plus important que tout le reste. Et le silence peut être présent quoi que vous fassiez et quoi que vous disiez. C'est une attitude intérieure d'accueil, de transparence, qui laisse l'évidence prendre toute la place et qui met fin à la croyance en la personne, en la croyance en la spiritualité, en la croyance d'un avenir, en la croyance d'un monde ou d'une quelconque évolution. Je me suis échiné toute ma vie, comme depuis que je m'exprime parmi vous, depuis l'année 2012, à poser les jalons de ce que vous vivez dorénavant maintenant, non pas un individu par-ci par-là, mais de manière collective. Rendez-vous compte. Qu'est-ce que vous mettez devant ? La compréhension, le mental, une pseudo-évolution, ou la vérité de qui vous êtes, même si vous ne le connaissez pas. Si vous acceptez l'inconnu, il est présent et il devient connu. Si vous le cherchez, vous ne le trouverez pas. Vous ne pouvez pas chercher ce que vous êtes. Vous ne pouvez pas le projeter, vous l'êtes, au-delà de l'être. Vous êtes la source de l'amour. La source de la joie, la source de la lumière et de l'absence de lumière. Il n'y a pas de différence. Tout ça sont des jeux de la conscience et rien d'autre. Et rappelez-vous que sur cette terre, comme Abba vous l'a dit, c'est le lieu qui met fin au rêve de la création. Au jeu de l'expérience. Car quel besoin peut-il y avoir d'expérience quand vous êtes à la fois le tout et le rien? Vous n'avez plus besoin d'expérimenter quoi que ce soit. Vous êtes la voie, la vérité et la vie, et c'est tout. Tant que vous croyez entreprendre par rapport à qui vous êtes, quoi que ce soit, eh bien, vous vous trompez. Entreprenez pour vous soigner avec les lois de ce monde ou de l'énergie, mais ne cherchez pas autre chose. Vous n'avez personne à convaincre, et d'ailleurs, vous ne convaincrez personne, quel que soit votre état. C'est justement ce silence et cette évidence qui est contagieux. Pas vos mots, pas vos postures, pas vos actions. Parce que dès l'instant où vous êtes installé dans cet inconnu qui est vécu, vous ne pouvez plus jouer aucun jeu. Si vous rejouez un jeu, vous allez être en colère, vous n'allez plus être en joie et vous allez souffrir. Et vous le constatez tous. Aujourd'hui, il n'est plus question de quelque enseignement que ce soit ou de quelque événement ou de quelque révélation que ce soit, parce que tout est là. Et en vivant ce tout qui est là, en n'étant rien, tout le reste vous est donné, mais vous n'en avez plus besoin. Vous ne projetez plus votre conscience, ni dans un autre temps, ni dans un autre espace, ni dans une autre dimension. À ce moment-là, c'est l'intelligence de la vie et de l'amour qui prend le relais. Cela avait été appelé, voilà fort longtemps, de manière amputée, la fluidité de l'unité. Mais là, c'est la vie tout court.
La vie est naturelle. J'ai passé mon temps à le dire quand j'étais incarné. Mais j'étais tout seul. Mais je ne parlais pas à l'époque pour ceux qui venaient. Je parlais pour aujourd'hui. Vous êtes tous des Billy. Vous êtes tous des Christ. Mais au-delà de toute forme et de toute histoire, vous êtes antérieurs à cela. Et quand vous découvrez cette antériorité, vous ne pouvez plus être dupe de quelque maître, de quelque enseignement ou de quelque religion que ce soit. Sans ça, vous n'êtes pas libre. Vous êtes dans la joie indépendamment de toute vision, de toute expérience, de toute énergie et de toute vibration, même si elles sont là. Je vous ai toujours dit, ainsi qu'à Naël, que la conscience est vibration. Mais vous êtes antérieur à la conscience et donc antérieur à la vibration et à l'énergie. Vous êtes le support. Vous êtes tout et rien. Et si vous êtes tout et rien, vous êtes la joie. C'est aussi simple que ça. Tout le reste ne sont que des prétextes ou des justifications qui n'ont plus lieu d'être. L'évidence de la joie, c'est la spontanéité de l'enfant. Je l'ai dit, je vous le redis. Tout le reste passe. Et tout ce qui passe ne peut être la vérité. La vérité est immuable. L'amour est immuable et ne dépend d'aucun monde, d'aucune expérience, d'aucun Dieu, d'aucun maître. C'est ça la vraie liberté, il n'y en a pas d'autre. Donc dès que vous vous projetez, même si c'est réel, je ne parle pas de la projection psychologique, mais dès que vous projectez l'amour, vous pouvez expérimenter d'être n'importe quel Dieu sur les autres plans. Mais ce n'est pas la joie ça, c'est encore le jeu de la conscience. La joie prend sa source antérieurement à la conscience. Antérieurement à la première manifestation, antérieurement à la source, antérieurement à Métatron et à tous les grands archétypes. Croire que vous avez besoin de quelque chose vous éloigne de la vérité, vous éloigne de l'enfance et de la simplicité. Et encore une fois, ça ne vous empêche pas de faire des études, quelles qu'elles soient. Ça ne vous empêche pas de vous faire plaisir. De quelque manière que ce soit, bien au contraire, mais vous n'êtes plus tributaire des circonstances, des événements, de l'âge, de votre corps, physique comme du corps d'éternité. Vous êtes libre. De nombreux maîtres parmi les anciens vous ont exprimé cela. Je ne peux aujourd'hui que vous renvoyer à la dernière enseigne canalisation et enseignement d'Osho concernant la fainéantise. Ne soyez pas feignant dans ce que vous avez à faire, mais soyez feignant en esprit. Ne comprenez pas les mots de travers. La liberté, elle est intérieure, et elle n'est conditionnée ni par ce corps, ni par quelque histoire que ce soit, et par aucun monde. Parce que là, vous vous êtes retrouvé. Et en vous retrouvant, vous constatez que toute connaissance lié à ce monde ou à d'autres mondes, n'est qu'ignorance. La seule vraie connaissance est celle, si je peux dire, de votre pseudo-origine. Puisque rien n'a jamais commencé et rien n'est jamais terminé. Et que tout est immuable, même dans la création. C'est l'illusion du jeu de la conscience qui vous fait croire qu'il faut traverser ceci ou cela. La joie ne dépend pas de ça. Sans ça, c'est une joie qui est circonstancielle et qui ne peut pas durer. Ce n'est pas la joie nue. Elle dépend d'une acquisition. Or, la joie nue dépend d'une restitution. Comme le disait le Christ, « Père, je remets mon esprit entre tes mains, parce que je ne suis pas ce corps, je ne suis pas de ce monde, et pourtant je suis totalement sur ce monde. » Et comme cela vous a été dit à d'innombrables reprises, la création entière est logée en vous. Cela vous a été expliqué par Abba, vous êtes en bout de chaîne.
Il ne peut pas en être autrement. Mais je ne vous demande pas là non plus de me croire, mais simplement de le vérifier. Et pour le vérifier, vous ne pouvez être que comme un enfant dans l'humilité totale, ne rien revendiquer au sein de ce monde, comme au sein d'aucun rôle dans n'importe quel monde. Ça, c'est le jeu de la conscience. Mais vous êtes antérieur à cela. Et la joie prend sa source au-delà de la conscience, dans l'amour. Mais ce mot a été tellement galvaudé que même aujourd'hui, même si l'acolyte a trouvé des mots jolis qui sont dépouillés de tout archétype et de toute connotation religieuse ou spirituelle, comme l'amour nu, certains vont encore s'imaginer des choses. Mais avec la joie, c'est impossible. Vous ne pouvez pas tricher. Vous ne pouvez pas conceptualiser. D'ailleurs, si vous essayez de la conceptualiser, elle disparaît tout de suite. Et ça crée une souffrance terrible. Et c'est d'ailleurs ces espèces de va-et-vient de l'éphémère à ce que vous êtes antérieurement à l'éternité qui vous fait souffrir. Rien d'autre. Que ce soit le corps, que ce soit le mental ou votre vie. Celui qui est libre reste libre même en mourant. Celui qui est libre reste libre même s'il souffre. Contentez-vous d'être ce que vous êtes avant tout être et tout le reste se fait automatiquement. Je le disais déjà quand j'étais incarné, la vie est apparue un jour, elle disparaît un jour, mais vous ne disparaissez pas, vous ne disparaissez jamais. C'est impossible. Vous pouvez être leurré, vous pouvez être endormi tant que vous êtes dans une forme. Mais plus maintenant, sur cette terre, c'est impossible. L'équilibre des polarités, que vous appelez masculin, féminin, tous les paires d'opposés et complémentaires, n'ont plus lieu d'être. Si ce n'est dans le jeu de la conscience. Mais la joie ne se trouve pas dans le jeu de la conscience. Même dans les mondes libres, elle se trouve antérieurement à la conscience. C'est ça que vous aviez perdu dans les mondes dits enfermés. Rien d'autre. Et la subtilité de tous les guignols spirituels, de tous les maîtres qui sont passés sur cette terre, ça a été de vous faire adhérer à des concepts, à des croyances, à un avenir meilleur, quelle qu'en soit la forme. Il n'y a rien d'autre que l'instant présent. Et ce...